On est à Lac Mégantic où il y a eu la tragédie le 6 juillet 2013. Pendant la nuit, un train a déraillé. J'avais environ 8-9 ans. Je dormais dans ma chambre, puis j'ai juste entendu ma sœur arriver en criant dans la maison. Lac Mégantic est en train de prendre en feu. Lac Mégantic est en train de prendre en feu. J'ai eu beaucoup de flashbacks, puis pendant 2 ans, 3 ans, j'ai fait des cauchemars à répétition. Je revoyais toujours l'explosion, puis la ville se détruire, puis j'avais juste toutes les images du train qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Ça s'est transformé en anxiété, en stress. Dans ma tête, c'est tout ce qui était chauffant allait exploser. Tout ce qui avait du gaz allait finir par exploser. Fait que moi, un fer plat qui chauffait, ça me faisait paniquer, puis je pleurais pendant une demi-heure. En prenant des photos, ça m'a fait ressentir des petites émotions. Puis ça extériorisait un peu ce que j'avais vécu, puis d'un angle artistique un peu. Mais des fois, juste retourner sur les lieux de l'endroit ou juste reparler avec des personnes qui ont vécu semblable à nous, bien, je pense que ça peut nous aider. Salut, Anne-Sara! Salut! Ah, comment ça va? Je suis contente de te voir. Toi? Oui, ça va bien. Comment tu te sens d'être ici? Ça fait spécial, mais je suis contente. Comment ça se passe, ta transition là, avec le cégep? C'est sûr qu'au début, c'était vraiment stressant. Puis est-ce que tu as comme un intervenant d'attitré à l'école? Non. Ou... OK. Wow, fait que c'est chouette. Je suis fière là, de l'évolution que j'ai faite en quelques années. Mais oui, vraiment. Et des fois, j'ai des petites rechutes, mais tu sais, je ne m'attarde plus à ça. Puis ça fait partie de la vie aussi, hein? Ouais. On est des humains, on n'est pas parfaits. Enfin! Coucou! Contente de te voir. C'est quoi ta machine préférée? Moi, j'aime bien les bars. Ça, c'est le fun. On dirait qu'on n'a pas le choix d'être joyeux. J'ai l'impression qu'on a une relation avec notre corps qui est différente. Lorsqu'on fait partie d'un milieu sportif oui. ou artistique et sportif comme le cirque, ton corps travaille très fort. C'est en milieu secondaire 4 que j'ai pris conscience de mon inconfort profond pour de quoi j'avais l'air puis qu'est-ce que j'étais capable de faire avec mon corps. Puis c'est avec l'idée du cirque que je faisais de manière parascolaire. Je veux être porteur de main à main, je veux devenir plus fort. Qu'est-ce que je fais avec ça? Cette espèce de quête-là de perfection, moi, je l'avais tellement. Puis je me rappelle à quel point j'étais malheureuse. Je me suis mis à avoir beaucoup plus d'amour puis d'empathie pour mon corps quand je suis devenue maman, parce que crème, mon corps a produit un bébé. Je pouvais pas faire une plus belle affaire que ça. Puis après, mon corps m'a permis de recommencer à faire du cirque. Mon corps a été mon allié, puis mon corps est toujours là, puis il est avec moi si moi, je suis avec. Si je décide d'arrêter de manger puis d'essayer d'être la plus mince possible pour faire le moins d'éclaboussures possible quand je rentre dans l'eau, bien, je vais briser pareil, tu sais. Ouais. Et moi, ça, je me suis tout le temps battue pour prendre du poids. Ouais. J'avais tout le temps l'impression que tout le monde autour de moi se dise, ben t'es chanceux, ouais. tu sais. Moi, j'aimerais ça avoir cette réalité-là. J'ai même un rapport de dysmorphie puis de troubles alimentaires. On entend beaucoup parler d'anorexie, de boulimie, de dysmorphie. Il y a pas beaucoup de monde qui m'en ont parlé. Comment t'en es arrivé à savoir que c'est ça que toi, tu vis? Dysmorphie corporelle, c'est l'aspect de tout le temps se juger quand tu te regardes dans le miroir, puis de se blâmer, finalement. C'est comme ça qu'on est constamment en réparation, tu sais. Oui. Autant on travaille sur se construire, malgré nous, on se détruit, puis là, il faut se reconstruire. Une constante maintenance. Ouais, oui, ça. Exact. Moi, ma nutritionniste, elle m'a conseillé de pas me peser. Puis j'essaie de trouver c'est quoi mon gabarit corporel qui me convient, dans lequel j'ai de l'énergie, je me sens bien, puis je suis pas toujours en train de paranoïer puis penser, parce que, tu sais, pour être heureux, sérieux, il faut s'enlever des soucis, là. Il y a des choses qu'on s'impose que ça sert à rien là, de perdre de l'énergie là-dessus. Juste de voir où est-ce que tu es rendue là, aujourd'hui, là, c'est vraiment une paye. Sans ton aide et la Mélanie, j'aurais pas pu
travaillé autant sur moi. Là. Je veux dire, vous avez été là de secondaire 2 jusqu'à secondaire 5. Puis je t'aimais pas au début. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as accepté de t'ouvrir? Qu'est-ce qui avait aidé, t'en souviens-tu? Bien, je pense le fait de voir que t'étais là pour m'aider et non pour m'affronter, puis tout ça, au final. Puis ça m'a permis aussi d'accepter ma médication, puis de... De mieux comprendre, là, vraiment, c'est quoi un trouble d'anxiété généralisé, puis comment qu'on le vit au quotidien, là. Ouais. C'est pas évident non plus hein, d'aller chercher de l'aide, d'être ouvert à ça. Reste qu'on en parle beaucoup plus de l'anxiété, de la santé mentale, mais reste que ça peut être encore un peu tabou. Puis pour Anne-Sara, ça a vraiment été aidant. La pédopsychiatre qu'elle a vue, lui expliquer l'anxiété, c'est quoi un trouble d'anxiété généralisé. Donc ça a été rassurant pour elle puis pour sa famille, puis ça a été un point tournant, là, je pense. Tu sais, le stress, ça peut être super positif aussi, puis même que ça peut t'aider à performer, tu sais, en théâtre, tout ça, là. Ouais. Puis, tu sais, avant, je me freinais à faire des choses parce que j'avais peur que ça me stresse puis de faire une crise de panique. Puis maintenant, j'essaye justement de sortir le plus possible de ma zone de confort puis de pas m'empêcher de faire des affaires. Tu sais, ça fait que je fais plein de projets puis plein d'activités que j'aurais jamais faites avant, là. Ben oui, tu t'empêches pas parce que tu fonces, tu sais, ouais. Tu te fais plus confiance, puis... Là, je suis en train de créer un stand-up. D'humour. Okay. Là, c'est toi qui écris? Ouais. Ben, c'est sûr que j'ai de l'aide, là, d'un humoriste, là. Yannick Demartino. Moi, ça a pris un certain temps avant que je découvre que j'étais cyclothymique. C'est dans le spectre de la bipolarité, mais que les cycles sont moins longs. Tout le monde vit des up and down. Tout le monde vit des hauts et des bas. Mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est jamais relié à quoi que ce soit. Et même si tu essaies de changer d'état d'esprit, même si tu prends soin de toi, même si tu bois pas, tu fais du sport, whatever, à un moment donné, tu fais « OK, là, je me sens vraiment pas bien. Mon estime personnelle est complètement inexistante. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller consulter parce que je me disais, d'après moi, ça cache quelque chose. J'ai de la misère, moi, avec le small talk. Je sais jamais. Moi, des fois, je rate mes interactions. Là. Moi, des fois, je réponds OK à salut. Je... Quand j'ai commencé à prendre une médication, je voyais tout simplement ça comme un supplément. Dans le fond, je m'en fous d'avoir un diagnostic. Mais qu'est-ce que je veux, c'est OK, moi, essayez ça, puis tu me dis que c'est possible que ça ait un effet positif. Dans mon cas, ça a été tout de suite la bonne dose, la bonne médication. Après ça, la psychothérapie, tout ce que je faisais comme effort, ça, j'ai vu que ça avait un réel impact. Puis là, j'ai réalisé que ça faisait longtemps que je vivais comme si, en fait, je profitais pas de ma vie. Puis moi, je me sens mieux avec tout le monde. J'ai plus d'écoute. Puis là, maintenant, ben, je peux vivre ma vie normalement. J'ai eu beaucoup plus de difficultés dans mes années de cirque parce que j'étais moins outillée. J'étais plus jeune, je me connaissais moins. Je me jugeais uniquement sur mes résultats ou sur mon apparence. Je suis arrivée vers le plongeon de haut vol, puis la pression sur l'apparence était encore plus grande parce que j'avais moins de tissu sur moi, là. Mais j'avais une solidité mentale qui était... Bien, qui était... J'étais plus solide. Oui, celui-là, je pense que si on le fait rapidement ensemble, on s'envole. Ah! C'est ça que ça sert. Quand je vois des athlètes ou des artistes qui sont pas dans le moule, j'aime ça. Ça me fait du bien, ça me réconforte. Ça tourne des côtés. Qu'est-ce qui dit qu'on doit être parfait? Il y a personne qui est parfait. Fait qu'éventuellement, je suis comme devenue fière de mes différences. Pas faite comme mes rivales, ils ont 20 ans. J'ai 40 ans, ils n'ont pas d'enfants, j'en ai 3. C'est pour ça que j'apprécie autant le cirque. Ton corps est tellement différent du mien. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut se complémenter? Quand on y pense, là, le milieu du cirque, c'est le milieu le plus vaste en variété corporelle. Il y a des femmes à barbe, des lilliputiens, puis soyons fiers de nos différences. Puis... Hey, je suis contente qu'on ait eu du temps pour jaser. Ton numéro, ça avance bien. Puis... Ben... J'ai hâte de voir ça en vrai. Ben, j'ai hâte de pouvoir faire ça aussi. C'est cool d'y penser, puis de retravailler, puis de changer d'idée dernière minute, mais à un moment donné, il faut que ça se fasse. Là. C'est cool d'atteindre les conclusions, enfin, là, t'sais, fait que j'ai hâte d'atteindre ça. Là. Puis, tu sais, les derniers jours, ça donne un petit sentiment d'urgence qui donne un boost d'énergie. Ils se sont même pas rendus compte que j'étais pas là. Jusqu'à ce qu'ils me voient assise sur le bord de la piscine en train de servir des cocktails. Mais quoi? J'avais 10 ans. Tant qu'à me faire abandonner. Je me suis mis sur le marché du travail. Salut Anne-Sara. Je viens d'écouter tes vidéos. C'est vraiment très bien. J'ai vu vraiment que tu le maîtrises de mieux en mieux, ton numéro.
Je te dirais mon seul conseil, tu sais, ça serait quasiment rendu là, vu que tu te connais, ben, de pas trop y penser, tu sais. Dans le sens que tu risques de juste t'amuser rendu là. Moi, je suis en confiance, hein. Donc, je pense vraiment que tu peux te permettre de l'être toi aussi. Je suis résiliente. Magnifique! Tu es talentueuse. Moi, je te vois faire des flips. Je te vois danser. Je suis talentueuse. Est-ce qu'on essaie de faire des voix là-dessus? Juste des petits bacs vocaux. We'll be right back.